Ah, cette ambiance toute guillerette. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric. On se retrouve pour la suite du challenge. Du challenge S de Yoshi's Woolly World sur Wii U. Et j'aime bien vous donner le tournis autour de la pelote centrale de laine, la Master Pelote. D'ailleurs, je suis en train de me demander s'il n'y a pas un niveau secret en récupérant toutes les fleurs du jeu. Je suis en train de me poser cette question là parce que j'avais jamais remarqué qu'il y avait le symbole de la fleur sur cette pelote, mais en fait je crois qu'il n'y était pas avant. Ça c'est sans doute parce que j'ai terminé le jeu et ça m'a mis le compteur de toutes les fleurs du jeu ici. C'est sûrement ça. Et ça me fait dire qu'il y a peut-être un ultime level S caché extraordinaire. Si c'est le cas, on le fera parce que ce serait vraiment cool en tout cas. Bon, tous les autres Yoshi me regardent, ils sont en train de rien foutre, là, ce sont les vacances au pays de la laine, sur l'île Tricotile. D'ailleurs, le thème que vous entendez en arrière-fond, je trouve que c'est l'un des meilleurs thèmes du jeu. Tout simplement excellent. Allez, let's go. Nous en sommes au niveau 3S. J'avais fait dans la vidéo précédente les deux premiers. Dont le 1S que j'avais déjà fait en vidéo. Donc c'était relativement simple, et là on va continuer avec de la découverte totale Phil Ball Express, je crois que ça s'appelle. Let's go, c'est parti, niveau 3S. Donc cette fois-ci, oui, j'ai bien terminé le jeu depuis la dernière vidéo. J'ai battu le boss final. Ah putain, c'est un niveau en scrolling déjà, ok. Let's go, on est parti. Ça va être chaud de te récupérer si c'est un niveau scrolling. Ah oui, d'accord. Alors ça c'est marrant. Attendez putain, il faut que je me refasse la maniabilité. Oh putain, c'est rapide. Oh, c'est rapide. Ah putain. Ok, d'accord. Oh, ça va être chaud. Oh là 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 là. Je sens que je vais crever. Ah putain. Ah non, il fallait que je saute sur... Oh, mais c'est super chaud. Mais vous avez vu la vitesse à laquelle va la bilbal? Ok, bon, on va se préparer mieux que ça. Je sais plus ce que je disais. Oui, il faut que je me refasse à la maniabilité parce que c'est différent de Mario Maker. Je vois que je joue à Mario Maker juste avant. J'essaie d'avoir quelques œufs. Let's go. Alors, le truc, c'est d'essayer de ne pas prendre de retard. Putain, avec ces foutues marmottes là. Ils sont foutus partout, ces trucs, hein. Allez, là, on peut récupérer ça. Dégage, toi. Comment je passe là? Merde, faut que je passe dessous. Mais, vite! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain! Eh mais, attendez, mais on n'a pas le temps. Ça veut dire qu'il faut anticiper, il faut aller avant la bilbale. C'est trop rapide. J'ai pas vu, il fallait passer. S'il fallait être plus rapide qu'elle. Wow! Enfin un peu de difficulté, ça fait plaisir. Pour vous dire, le boss final, je me rappelle même plus comment il est. Je me rappelle même plus la reine et tout. Ça m'a pas du tout marqué. Vraiment dommage. Hop! Ah, c'est mieux que tout à l'heure. Bon, tant pis si je récupère pas tout, hein. Bon, c'est un peu l'objectif, mais... Ah, mais d'accord, mais je peux... Ah, mais merde! Fallait que je la bute comme ça en fait. Ah, c'était peut-être ça, ouais. Ouais. Ouais, il fallait peut-être la buter en fait, parce que sinon elle m'empêche de passer. Mais comment je fais là par contre? Vite, mais descends toi. Si, si, oui, je peux passer, mais... Ah non, non, mais... Comment je vais faire là? Oula, c'est pas comme ça, non? Qu'est-ce que je fais là? Alors, remarque, ça passe, hein. Oh, vite! Oh non! Ah! J'y crois pas, ça passait comme ça.
en butant la bille balle, mais je pense pas que c'est comme ça qu'il fallait faire, parce que ça me complique la tâche. Falloir réfléchir un peu, ça demande la réflexion, Yoshi, faut pas croire. Hein. Hop, toi, je te bouffe. Ah putain, je me la prends à chaque fois celle-là. Mais non, j'ai déjà plus de vie. Oh bah tiens, j'ai raté la fleur. Comme ça, c'est fait. Moi qui voulais de la rapidité. Mais là, j'ai pas compris. Hein. J'ai pas capté là. Comment on fait? Faut aller plus vite que la bille balle? C'est pas possible. Si on la bute, elle leur apparaît pas. Ah, ou alors il faut peut-être l'avaler. Eh oui. Attendez, je vais tester. Voilà, comme ça. Eh ben non, si je la recrache, elle repart pas. Je suis bien embêté là. En plus, il y a des marmottes qui me tombent dessus. Non, c'est pas ça. Ouais, il est chaud ce niveau là. Pour être sur le 100%, hein, je sens que je vais galérer. Mais ça me fait plaisir, ça fait un peu de challenge. Ce que je trouve vraiment dommageable dans ce Yoshi, c'est que Nintendo a privilégié la forme sur le fond. Alors que, en général, c'est plutôt le contraire. Oh putain, attention. Allez, venez par là. Vite! Putain, mais elle est vachement rapide cette bille balle, c'est ouf! Ah, j'ai loupé le truc. Attendez, hop! Si j'essaie. Ah, mais je l'ai buté, mais non! Ah! Je ne comprends pas. Comment je suis censé faire? Ben d'accord, là je fais peut-être comme ça, mais. C'est vachement hard! Non, je vais me faire avoir. Oh là 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 là. Oh, et ça va super vite, sérieux. C'est un scrolling de la mort, ça. Il ralentit pas, hein. Il vous attend pas, le bougre. Hop, il n'y a rien de caché déjà ici. Concentration. Ah putain, la grosse pelote, il aurait fallu que je la chope. C'est très mal parti déjà. Hop, allez vite, on chope ça. On va essayer d'anticiper un peu. Eh non, mais je l'ai encore buté, mais c'est pas possible. Je pense qu'on est obligé de la buter. Parce que sinon, là, on peut pas passer. Alors, j'ai pas capté quelque chose. Allez, descendez, mais c'est eux aussi, ils vont perdre du temps. Oh putain, la fleur. Tant pis pour la fleur. Oh, j'y arriverai pas là. J'y arriverai pas. Oh putain. Y'a pas de checkpoint. Non, y'a pas de checkpoint en plus dans ce niveau. Non, il faut pas que je la bute. Ça peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Je pense qu'il faut que j'aille plus vite qu'elle. Faut la faire passer, faut pas la buter. Il faut pas non plus que je reste derrière. Donc il faut être à son niveau, c'est ça. Hop. Essayer de les avaler, de les recracher. C'est mieux que de vouloir sauter dessus. Sauf pour la fleur. Ah là là. Putain, mais le souci c'est que je perds trop de temps là. Faut essayer de vouloir tout récupérer. Ah là 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 là, mais voilà, mais là, je... Ah si, d'accord, je peux passer comme ça. Ah, je savais pas que je pouvais passer à travers. Vite. D'accord. Merde. Oh non, trop tard, trop tard, trop tard. Mais non. Secours. Mais non. Plus vite. Vite, Yoshi, de la vie. Merci. Oh putain, il y avait des trucs là-bas, je suis sûr. Oh non, je suis trop loin. Vite. C'est quoi ça? Pourquoi il y en a une au-dessus? Viens dans ma bouche. Que je t'avale. Que je t'ingurgite. Ah oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a plein de marmottes partout. Ils ont abusé sur les marmottes. Hein. Putain, dégage. Oh non, pas lui. Alors lui, eux, ce sont les ennemis qui soufflent. Ah oh putain, il y avait une... Il y avait un tampon dessous. Ok, j'ai même pas vu la marmotte apparaître. Oh, c'est un truc de fou ce niveau. Hein. C'est ultra dynamique. Il est vraiment pas mal. Hein. Au moins il se passe quelque chose, quoi.
on est censé solliciter, il se passe un truc. Il y a vraiment certains niveaux où le level design est plat, il se passe pas grand chose. C'est paresseux en fait, voilà. C'est un level design paresseux qui se base sur ses acquis, là, sur des jeux. Bon. On a déjà vu ça dans d'autres jeux. Le souci c'est que. Merde, j'ai loupé le rouge. Le souci c'est qu'il reprend des idées et quasiment tout le bestiaire de Yoshi Island. Putain, trop tard. Ça c'est bon. Oh non! Je l'ai pété avec un œuf, mais bah si, mais c'est pas possible. Oh putain. Ah, du moment que je le bute, le truc c'est mort. Hein. Bon, déjà, je préfère ce jeu à Yoshi Story. Y a pas photo. Yoshi Story, c'était vraiment un délire particulier aussi. Hein. Faut le dire. Hop. Gardez le rythme. Allez. Putain, le temps que je perds juste pour sauter. Là, c'est bon. Ah, mais non, je l'ai buté. Mais non! C'est pas vrai, quoi. C'est pas ce que je veux faire. Hein. Je le fais pas exprès. Allez, les blocs. Si j'arrive à rester à ce niveau-là, ça peut peut-être le faire. Hein. Mais non, il faut que j'appuie sur A pour sauter aussi. Pour maintenir mon saut, pour planer. Décidément, aujourd'hui, c'est la journée fail. Hein. J'ai tourné la vidéo de Mario Maker juste avant. J'ai passé presque une heure sur un niveau que j'arrivais pas. Je me suis dit, on va se détendre sur du Yoshi, histoire de changer un peu. J'y arrive pas plus. C'est dingue. Hop. Hop. Allez, venez là. Satané ennemi, pourquoi ils les auront foutu dans ce niveau? J'espère qu'ils sont pas dans tous les stages ES, les marmottes, là. Attention, pas avancer trop vite pour pas le buter. Jusque là, ça va. Garder le rythme, comme ça, c'est pas mal. Hop. Surtout ne pas bouger ici pour descendre plus rapidement. Choper la fleur au passage. Oh, j'ai même buté le... Le masque-casse, nickel. Vite. Oh putain, ils l'ont placé exactement au bon endroit, lui. J'aurais dû rester en dessous parce qu'il y avait le tampon. Enfin, pas dessous, mais il fallait. Ah là là, ça fait plus rapide que ça. Il fallait que je pète le mur, en fait. Qui était en bas. Putain, viens là, toi. Faut surtout pas laisser les marmottes. Enfin, j'appelle ça les marmottes, mais je sais même pas ce que c'est, en fait. C'est une espèce de castor, voilà. Hop. Alors lui, tu dégages. Ah non! Oh non, quel con! Quel con, quel con, quel con. Je vais avoir moins la fleur. Oh putain, j'ai les 4 fleurs! J'ai même pas fait exprès. Truc de ouf là. Vite! Oh putain, j'ai toutes les fleurs. Non, non, vite! Oh! Dégage! Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain! Non! Non, 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 non! Oh! Comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour ne pas crever ici? Oh, truc de dingue là. Je sais pas comment j'ai fait pour me rattraper. Toutes les fleurs, j'y crois pas. Oh. Ouf. Alors là, je vous dis, il y a du niveau. Oh, mais là, mais j'aurais été sûr, mais jamais j'aurais parié pouvoir finir ce niveau en vie là. Oh. Bon, j'ai loupé quasiment tous les tampons. Oui, j'ai pas mal de... Enfin, les pelotes, je veux dire, mais les tampons, j'en avais quand même 17. Hein. C'est pas si mal que ça. Ouf. Hard, ce truc, hein. Mais vraiment pas mal. J'ai bien aimé ce niveau. Ouais, c'est vraiment dommage que Nintendo se base sur ses acquis et font un level design paresseux en reprenant tous les éléments de Yoshi Island. Au final, ce Yoshi manque d'identité. En fait, toute l'identité de ce Yoshi Woolly World passe par la technique.
par l'aspect visuel, qui est certes, voilà, original, ça fait l'originalité du titre, mais après, au niveau du fond, des niveaux, ben, c'est du Yoshi Island tout craché, quoi. C'est dommage. 4S, plan Piranha, la contre-attaque d'Ultra Piranha. Ça promet. Let's go. Grosse Piranha. Je me demande s'ils ont refoutu un boss. Parce que Ultra Piranha, c'est. Normalement, c'est le boss, c'est le boss Piranha. Alors là, ils ont peut-être refoutu. Genre, toute la durée du niveau. Bon, déjà, il n'y a pas de scrolling. Ça me fait plaisir, on va pouvoir explorer un peu plus tranquillement. Et j'adore l'esthétique des végétaux comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Oh, putain. Oh! Ah putain, je m'en doutais. Ça me fait penser à Yoshi Story ça. Une espèce de stage avec des ronces. Putain, mais non, mais il y a encore du scrolling là du coup. Parce que l'autre elle nous poursuit, c'est ça? Ah! Je m'attendais pas à sauter. Comment je fais là? Je suis bloqué, je suis coincé, je vais mourir. Oh non, putain, c'est encore un truc de scrolling finalement. Bon. Alors, à quel moment elle apparaît, elle? Putain, tout de suite en fait, d'accord, on n'a même pas le temps de respirer, de prendre des pelotes. On se fait tout de suite harceler. Compris. On s'est dépêché du coup. Là, je pense qu'il n'y a que dalle. Ah, putain, il y avait ça. Oh mais non, vas-y, mais il y a la fleur. Mais, attendez, comment je fais là? Je comprends pas là. Oh. C'est quoi ce truc de ouf? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je sois plus rapide. Prends ça. Hop, on prend ce qui se passe ici. Hop, voilà, lui, il faut plutôt le lancer comme ça. Merde, j'aurais dû passer en haut. Trop tard. Je fais n'importe quoi. Hein, elle est où la plante là? Putain, il faut que je passe. Ah d'accord, fallait que je passe en dessous. D'accord, il y avait une espèce de trampoline caché. Merde. Recrache moins vite. Mais pas de ce côté. Oh, je suis en train de tout rater, j'ai plus de deux. Il y a quoi là? Oh, j'ai réussi à la toucher. Ah oui, on peut peut-être la toucher pour la ralentir en fait. Mais putain, mais il y a trop d'objets partout. Oh, je suis en train de tout rater, non. Je déteste faire ça. J'ai pas le choix. Il y a un truc là, haut de pelote, nickel. Vite! J'aurais dû tirer plus vite vers le haut, non! Ah, il est pas mal ce stage, elle est bien faite la plante piranha, mais. Putain, que c'est hard! C'est que c'est stage de S 10 fois plus dur que tout le jeu, quoi. Ouais, on voit vraiment que. Mais j'ai perdu trop de temps là. Allez, monte, vite! Merde, le masque, je pense qu'il faut plutôt le. Oh d'accord. N'importe quoi. Le masque, faut plutôt l'avaler pour le recracher direct sur la fleur juste après. Ouh, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce niveau? Je suis en train d'halluciner là. C'est bien que c'est le stage ES, donc c'est plus chaud, mais c'est vachement plus hard que tous les niveaux du jeu. Hop, j'ai de la fleur. Donc là, il faut faire comme ça pour aller choper ce qu'il y a à gauche. Plus vite que ça, Yoshi! Plus vite que ça! Là, je sais pas comment on fait. Mais putain, mais non! Je perds tous mes œufs si je fais comme ça. Oh là 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 là! On va garder la plante. La carapace. Ah si, là, je peux aller à gauche comme ça. Et non, même pas! Comment je fais pour choper la fleur là? J'ai pas le temps de réfléchir en plus. Peut-être un truc caché avec. Je vais passer comme ça plus vite. Hop. Ah, ça c'est pas mal. Alors le tampon. Allez. Masque à son le chope. Oh, putain, il faut être vachement rapide. Il y avait quoi là-bas? Je ne sais pas. Peut-être une fleur. Gardez le rythme. Gardez le rythme. Les œufs. Des pelotes, oui. J'ai dit des œufs par habitude. Hop. Elle est morte. Oh non, oh non, vas-y, elle accélère.
Ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Oh, ils sont ouf. Et vas-y, mais c'est ouf là. Mais what the fuck? C'est quoi cette rapidité? Oh, ils sont malades. Putain, mais sérieusement. En fait, pendant tout le jeu, c'est une promenade de santé. Et les niveaux S, c'est un truc hardcore, mais... extrêmement difficile. J'hallucine. Hein? Ok, jusque là, je suis d'accord. Et on le chope. Merde, j'ai loupé là. J'ai coupé l'ennemi, c'est pas grave. Là, il y a une plateforme. Hop. Là, je suis en avant, ça va. Ah putain, il y avait des trucs en dessous encore. Je sais pas comment je fais pour choper cette fleur. Putain, il y a encore un truc ici. De la vie, ça me sert pas vraiment parce que... À part pour avoir les... Merde. À part pour avoir les 20 points, mais... C'est pas vraiment mon objectif, puisque je peux mourir très rapidement ici. Avec le foutu scrolling. Oh, mais c'est un truc de fou ce niveau, sérieusement. Ils ont abusé. Hop. Là, je perds peut-être du temps pour rien, essayer de choper ça. Voilà. Bon, j'ai capté. Alors là, par contre, ça l'accélère à mort. On va essayer d'anticiper. Mais non! Ah non! Mais je me suis bloqué! Pff, mais vas-y, mais c'est le décor qui m'a bloqué. Oh là 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 là. Ah. Putain, mais je peux pas parler pendant cette vidéo. Y'a aucun répit. C'est dingue. Qu'est-ce qu'ils ont fichu? En même temps, bon, je voulais de la difficulté, donc... je vais pas non plus cracher dessus, mais... Faut savoir ce qu'on veut aussi. Ah, d'accord, faut les choper avant que les... Il faut être archi rapide, en fait. Faut aller plus vite que le scrolling pour choper les objets. À part pour cette fleur qui est bloquée dès le départ... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait pour aller la choper, c'est pas grave. Ah, je perds du temps là. Hop. Tire vers le haut. On se fera un chemin là. Un petit tampon. Je sais même pas lequel c'est. Merde, c'est le deuxième. Là-bas, on s'en fout. On s'en fout du masque-as. Je sais pas si je peux me faire bloquer ici par les ronces. Tellement que c'est vicieux. Quasiment toutes mes pelotes. Là, c'est bon, je suis full. Hop. Bon, jusqu'ici, encore, ça peut aller. Mais à partir de là, ils ont abusé. En plus, faut pas être trop rapide, là, sinon je me fais avoir par le... Par le décor, putain. Secours. Secours. Dépêche-toi, Yoshi. Dépêche-toi. C'est ouf. J'ai raté la fleur. Oh, je suis où? C'est fini, non? Attends, il y a un petit truc là. Oh, dernier tampon. C'est la fin? Oh putain, c'est la fin. Oh, j'ai quoi? Oh, j'ai tout raté. Oh, j'ai tout loupé. Ah, c'est un truc de ouf ce niveau. Je sais pas si j'arriverai à faire le 100%. Hein. Qu'il faut, il faut le connaître par cœur, à mon avis. C'est du die and retry. Eh bien, ma foi, cette vidéo était extrêmement mouvementée. Ce n'était, contrairement à ce que je pensais, pas du tout de la détente. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et j'ai l'impression que ces stages ES font partie des meilleurs stages du jeu. En matière de challenge, en tout cas, ça c'est sûr, certain. Mais c'est vrai que je m'amuse plus à faire ces niveaux S que la plupart des niveaux principaux. On se retrouvera la prochaine fois pour, je pense, l'avant-dernière vidéo, puisque je ferai la 5S et la 6S.
qui pour l'instant ne sont pas forcément accessibles, puisque j'ai pas toutes les fleurs dans les mondes 5 et 6. Il y a le chapiteau ici des boss, je pense qu'on se fera, j'avais commencé mais je l'ai pas terminé, sachant que les boss ne sont pas... ils sont pas terribles dans ce Yoshi, franchement, ils sont extrêmement décevants, trop simples, et je sais pas, ça fait un peu... c'est du déjà vu, voilà. Enfin, voilà, ils sont rien d'exceptionnel, quoi. Ils auraient pu proposer des choses plus originales de ce point de vue-là, mais ils reprennent un peu aussi ce qui était déjà sur Yoshi Island, vraiment très décevant. Donc bref, et puis on verra bien si on débloque ce niveau ultime en plein milieu, là. J'ai bien envie de voir ça en tout cas. Je suis curieux de voir ça. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et puis à la prochaine, hein. Je ne sais pas quand je posterai ce petit projet. Mais ce sera peut-être un peu avant Noël, je ne sais pas. Allez, à la prochaine.